Bienvenue à tous dans Parole d'Art, votre nouvelle émission sur le 360.ma. Aujourd'hui nous sommes à Marrakech, à la Mamounia, où se tient une exposition de l'artiste Saad Benchfaj, qui pour l'occasion et une fois n'est pas coutume, a quitté sa ville natale de Tétouan, où il a vu le jour en 1939. C'est dans cette ville du nord du Maroc, teintée par le bleu du ciel et le bleu de la Méditerranée, que Saad Ben alors enfant, fait la découverte de la peinture et cultive un imaginaire torturé au contact des mondes imaginaires, invisibles, occultes et profanes. Tout petit déjà, il est fasciné par les peintres espagnols qui peuplent les rues de sa ville et à l'âge de 14 ans, il peindra sa première toile, des nuages avant de rejoindre quelques années plus tard l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, où il se verra dispenser une formation académique par de grands maîtres de la peinture espagnole de l'époque. C'est donc tout naturellement que plus tard, il s'envolera pour Séville pour y suivre des études à l'école des beaux-arts, avant de faire une parenthèse en 1957 à l'école du Louvre de Paris, puis retour en Espagne. Le retour au Maroc ne se fera qu'en 1965, au retour de l'exil de Mohamed V. Il regagnera à nouveau l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, mais en tant que professeur cette fois-ci, pour y enseigner la peinture et le dessin notamment. Si sa première exposition remonte à 1956, Saad Ben n'a jamais cessé de peindre. Il a traversé différents courants. De l'expressionnisme à la figuration, en passant par le néoréalisme et l'abstraction, avant d'aboutir à ces couleurs terreuses, cet éclat sombre qui caractérise ses derniers travaux. C'est donc un artiste fort d'un demi-siècle d'intimité avec la peinture que nous rencontrons aujourd'hui. Il est considéré, avec Mlihi, comme le seul artiste vivant de la première génération, un artiste majeur de la peinture au Maroc. Monsieur Bentifage, bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes aujourd'hui à, à La Mamounia, dans le salon de thé, où euh, se tient une exposition avec euh, de très beaux portraits de, de femmes. Donc, j'aimerais un petit peu qu'on parle de, de la place qu'occupe la femme dans, dans votre imaginaire depuis, depuis toujours. Bon, la femme a été toujours représentée dans l'art, depuis la préhistoire. Je peux vous dire qu'il y a une sculpture préhistorique. De, de la haute époque paléolithique s'appelle Vénus de Willendorf. Ça veut dire que c'est la première figure dans la sculpture humaine et était représentée par une femme. Après, nous, nous trouvons d'autres civilisations, par exemple grecques, tous eux, ils horizons été intéressés par le corps des femmes. Parce que dans le corps des femmes, il y a un peu, on peut agir avec beaucoup de mouvements. Dans, sur la sculpture masculine, on, on est limité. On est très limité et dans la figure la figure féminine, on peut bouger le corps d'une manière ou d'une autre, ça fait no normal. C'est pour cela le, le choix des Grecs pour le corps de la femme a été exceptionnel. Ça veut dire, il y a plus de sculptures féminines que de sculptures masculines dans, dans toutes les civilisations, sauf sauf dans les civilisations mésopotamiennes, mes, mes, entre moins la représentation des femmes. Que, que dans la civilisation romaine ou grecque. Et moi j'ai préféré par exemple le cours de la femme parce que ça me donne beaucoup de liberté de la créativité. Mm -hmm. On peut jouer avec l'imagination plus que dans la représentation masculine. C'est la raison pour laquelle aussi vous les représentez nus. La nudité elle est elle est très importante dans votre œuvre, c'est pour laisser libre cours aux formes justement de Oui, la nudité pour pour nous les artistes la nudité c'est normal. C'est pas exceptionnel. Ça veut dire on a trouvé d'autres toutes les civilisations, elles ont emprunté le corps des femmes. Dans la civilisation islamique, il faut agir, il faut changer la mentalité des gens. Il faut créer des, des, des étapes culturelles qu'on n'a pas eues. La mythologie aussi, notamment grecque, elle occupe une, une très grande place. Oui, dans votre moi j'étais intéressé, ça veut dire, moi j'avais fait, fait de la peinture en Espagne. Après, j'étais intéressé par l'histoire de l'art. Et dans l'histoire de l'art, on peut trouver de la méthodologie. La méthodologie, ça te donne beaucoup d'imagination. Il y a beaucoup de, beaucoup de choses qu'on peut exploiter qu'on ne connaît pas dans la, dans, la, dans la peinture. Et, et j'étais très intéressé parce que ça donne beaucoup de choses nouvelles, nouvelles dans, la, dans la peinture. Et, et moi, j'étais très intéressé parce que ce sont des choses qu'on n'a pas exploitées dans, dans la peinture. Ça veut dire il faut, partir de, il faut partir de quelque chose dans la peinture. Il ne faut pas être dans le vide. Parce que dans le vide, ça ne te donne rien. Et, dans la, et la, quand tu quand t'attaches à, à une culture, à une mentalité, tu peux exploiter. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas dans la peinture. Est-ce que dans cette mythologie grecque, vous trouvez euh, des clés pour euh, expliquer ce qui se passe dans le présent oui, mais, mais, mais chaque étape culturelle appartient à son époque. Ça veut dire qu'on peut pas, par la mythologie de, à nos jours, il n'est pas acceptable. Parce que c'est une mentalité qu'on a vécue avec les religions anciennes. Et c'est acceptable à son époque. À notre époque, il y a d'autres mentalités, d'autres évolutions mentales, d'autres cultures. Alors par rapport aussi à vos moyens d'expression, le dessin occupe une place aussi importante dans votre œuvre Oui, les dessins, le dessin est tout, a été toujours présent dans la, dans la peinture. Par exemple, quand, quand, on fait, quand on fait des recherches dans la peinture préhistorique, on trouve beaucoup de dessins de, sur les grottes. Ça veut dire l'artiste commence toujours par le dessin. Et dans les écoles occidentaux, le dessin est très important. Ça veut dire les, les plus, il y a des, plus d'heures dans le dessin que dans la peinture. Et, et, et moi, j'étais très intéressé par le dessin parce que quand on, quand on découvre toutes les étapes de, de la culture humaine, on trouve beaucoup de dessins, surtout sur les grottes. Et de ce que vous voyez aujourd'hui avec la jeune génération d'artistes, est-ce que vous trouvez que le dessin occupe la place qu'il devrait occuper Non, moins moi qu'avant. Je ne trouve pas que les, les artistes intéressent beaucoup le dessin. Comment Directement par la peinture. Et, et pourquoi, pour à votre avis et ouais, il, faut, il faut faire des recherches. Ça veut dire qu'un artiste, il faut attaquer tous les secteurs de la peinture. Ça veut dire qu'il doit connaître l'aquarelle, le pastel, le dessin. Ça veut dire qu'il doit attaquer tout. Parce que dans la peinture, on peut créer beaucoup de choses. Avec différentes techniques, et différentes matières. On ne peut pas s'engager simplement dans un style ou dans une technique. Ça veut dire que les artistes d'aujourd'hui, il faut, faut s'intéresser pour le dessin. Nous, à l'école de beaux-arts de Tétoine, ça veut dire quand les élèves pour passer l'examen, il faut qu'il fasse un dessin. Il faut montrer sa sensibilité et sa capacité d'observation sur le dessin. Ce dessin est très important. Alors vous aussi vous faites partie de ceux qui ont toujours euh, voulu avoir d'abord une formation académique avant de, de, de prendre le pinceau. Est-ce que vous pensez que toujours en parlant de cette jeune génération, est-ce qu'ils appliquent la, la, la même démarche que, que vous Non, c'est différent. Ça veut dire, nous, dans les écoles de beaux-arts, ça veut dire, dans toutes les matières et tous les secteurs de la, de la créativité, doivent être reconnus dans, dans les cours de dessin, dans les cours de beaux-arts. Parce qu'on n'est pas sûr que tous les artistes qui passent par les cours de beaux-arts, ils vont être des artistes. Et il y a des architectes, il y a des décorateurs. C'est pour cela qu'il faut montrer le dessin, la peinture, la décoration, l'aquarelle, le pastel, parce qu'on ne sait pas... Si cet individu qui passe par les des de Beaux Arts, il va faire demain un artiste. Qu'est-ce qui a changé dans le fait d'être artiste entre les années 50, 60 et aujourd'hui Oui, il y a un amour qui nous attache à la peinture, mais on n'est pas reconnu dans la société, on n'est pas été reconnu. des œuvres ne sont pas été préparées par un artiste. L'artisanat, d'accord, l'artisanat était très connu. Mais l'art pour l'art, il n'a pas été reconnu. Nous, on a fait de l'art parce qu'on on a aimé. C'est comme un poète, quand il aime la poésie, il fait la poésie sans être reconnu dans la société. Nous, on était artistes pour être artistes. Mais les gens, ils, ils n'ont pas reconnu cette matière à l'époque. Et comment est-ce que vous viviez de votre art, du coup, à l'époque Oui, qu on quand on de la culture, de il faut pas être... Il faut pas attendre qu'on soit riche. La culture ne donne pas à la richesse. Si tu acceptes la, la, la culture, accepte la culture dans le d'une du, du, autre mentalité, non, pour devenir un, ça veut dire un richard. La culture c'est pour la culture, c'est quelque chose pour l'âme, c'est pour l'individu personnel, c'est quelque chose de très personnel. Ça veut dire c'est comme la prière. Ça veut dire c'est pas pour pour être riche. Il n'y a personne qui qui commence à faire la culture pour devenir riche, ça n'existe pas. Moi, je n'ai pas pensé beaucoup à l'argent quand j'ai commencé à faire la peinture. J'ai simplement j'ai le choix de faire un, un bon travail. Influencé parce que quand j'étais jeune, ça veut dire, j'ai commencé à peindre à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, j'ai fréquenté toujours des expositions. C'est quelque chose qui m'attache à l'exposition. Dans les années 45, jusqu'à l'année 50, il y a beaucoup d'expositions à Tétouan, des, des peintres catalans, des peintres de Madrid qui sont venus à Tétouan exposer à l'époque espagnole. Alors moi, j'étais toujours en visite dans ces expositions qui m'ont montré beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. Mes premiers professeurs, c'était les, les expositions, ce n'est pas l'école. Avant de rentrer à l'école, il faut s'intéresser à l'art et à la culture pour que tu puisses être influencé par des, des, des choses particulier quel est le, le rapport que physique on va dire que vous entretenez avec vos toiles parce que j'ai entendu dire que vous en aviez détruit quelques unes oui le rapport avec mes toiles c'est quelque chose de très spirituel c'est comme faire c'est comme, ouais. comme faire la prière c'est comme faire la prière c'est quelque chose qui appartient à l'âme ça veut dire quand on commence à travailler la peinture il faut commencer dès le début c'est pas simplement avec le pinceau il faut clouer, il faut préparer la matière, il faut imaginer le travail que tu vas faire. Et quand on commence à travailler le tableau, ça veut dire la, la peinture, on ne sait pas exactement ce qu'il va donner. Simplement, c'est le travail qui, qui, qui t'encourage à faire de nouvelles recherches. Autant du travail. C'est comme Picasso. Picasso disait Moi, quand je travaille le tableau, je ne connaissais pas la fin. Chaque pinceau apporte un nouveau pinceau. Sa couleur apporte un nouveau couleur. Ça veut dire ça, ça dépend autant du travail, tu vas découvrir le, le, le chemin que tu, vas, que tu vas donner. Parfois, on ne connaît pas exactement le résultat. C'est à la fin, le résultat, c'est quelque chose qui, qui surgit toutes choses. Alors, on parlait de, de votre rapport à, à, vos, à vos œuvres. Euh, Racontez-nous un petit peu euh, la, la, la première fois où vous avez peint. Moi, j'étais intéressé à la peinture à l'âge de 16 ans. Ça veut dire, à, à l'école, j'étais un peu distrait. Ça, je pensais toujours à dessiner. J'ai dessiné les professeurs qui expliquent les cours. Et une fois, le directeur, le directeur, c'était un, un, un directeur français, il s'appelle Dufour. Et il m'a demandé à mon père d'apporter les travaux que je fais à la maison. Et comme une fois j'étais à ma maison, j'ai peint les, les nuages. C'est des nuages. Ça veut dire un tableau des nuages. Et ce directeur, il, il a dit que moi je ne je connais rien dans l'art, mais je veux voir un critique à Tangier qui va nous expliquer ce travail de ton fils. Alors quand il est parti, il est revenu et il m'a appelé à mon père et à moi et il lui a dit à mon père. Ton fils est un artiste, il faut lui laisser la liberté de faire son travail. Ça veut dire, parce qu'à l'époque, nos parents ne nous laissaient pas faire notre, la peinture. Alors le directeur, il m'a demandé de lui vendre ce travail. <laughs> Et moi, je ne connaissais pas que ces tableaux sont vendables. Et je, je, je n'ai pas répondu au directeur, ça veut dire, pour lui, pour, pour lui vendre le tableau. Ça veut dire, moi je l'ai offert, je lui ai dit, je t'offre ce, ta, ce, ce tableau. C'était un simple tableau, ce n'est pas quelque chose d'important. Et le docteur, il était très content, il m'a dit, il, il a conseillé à mon père de lui laisser faire ses études dans la peinture. À ce moment-là, moment mon père, lui, mon père il était architecte à l'époque. Il a dit, bon, allez, moi je ne connais pas ce domaine, allez voir, allez voir comment tu vas s'inscrire à l'école de Beaux-Arts de Tétois. Et quelle est la, la, la première. Euh... La première œuvre que vous avez donnée à voir, enfin, votre première exposition, vous vous en souvenez pouvez-vous Ma bon, en... première exposition, moi j'étais très. Ça veut dire. Je, je prépare mon matériel et j'ai fait des, des paysages. Ouais. Des paysages de Tétouan, dans les jardins, sur les montagnes, des paysages, des natures mortes. Et j'ai ramassé tous les tableaux. Et, et quand il y a eu une occasion, il y avait une association ça, qui s'appelle les Nebra Fikr ». Ils étaient intégrés dans cette association et avec cette association, on a fait une exposition. Ça veut dire, dans le secteur, j'étais quand même trop jeune. Ils étaient toujours courageux pour essayer de, de convaincre les gens sur mes tableaux ou sur mon interview. Ça veut dire, ils étaient toujours courageux. Et vous attendiez quoi de cette première exposition? Oui, j'attendais, j'attendais, j'attendais de... Ça veut dire, quand on expose... Vous attendez que, que, de, de créer des amateurs d'art, que les gens viennent voir mon exposition. Et, et parfois, il y a des gens qui te donnent. De, même même que toi, tu, tu fais de la peinture, mais parfois, tu n'as pas une explication correcte. Il y a des gens qui viennent parfois et te donnent des idées. Les uns. Il, faut, il faut savoir écouter les autres. Et vous vous souvenez de la première œuvre que vous avez vendue? Oui, j'ai vendu mes premières œuvres. La première Oui, la première œuvre. C'était quoi Ça veut dire, je l'ai vendu à un professeur marocain. Ouais. Et c'était extraordinaire parce que les Marocains, c'était difficile de s'intéresser par la peinture à l'époque. Mais ce professeur a été très cultivé. Il est venu me demander de lui expliquer les tableaux. Et c'était un paysage, c'était exactement un paysage de, de la nature. Comme j'étais attaché parfois à des peintres espagnols comme Bertucci ou Freixas, ils font des de choses merveilleuses. Freixas, on a appris beaucoup, beaucoup de, ces, de ces peintres. Freixas, Bertucci, Carlos Gallego, Diego Gámez, Araceli, tout un groupe de peintres qui ont travaillé, qui ont fait beaucoup des à Tétouan. et on a appris beaucoup de choses d'eux. Ça veut dire, c'est Diego Gámez... Bertucci. Diego Games était le peintre. Une fois, on est parti avec Mekim Rara, on est parti à Madrid, où on a vu un affiche de Diego Games après l'indépendance. Et on, a, on est parti à la galerie pour, pour, pour voir son travail, et, et on ne l'a pas trouvé. Mais le, la directrice de la galerie, quand il est venu, il a dit, voilà, il y a deux peintres qui sont venus te chercher ici, qui étaient notre professeur. Quand on est parti l'après-midi, il a reçu avec des larmes aux yeux. Mmh. C'était vraiment c'était d'origine de Tétois, lui. Et après, il est parti à Madrid. Il a fait une exposition sur les paysans de Tétois. Tous les tableaux représentaient représenté Tétois, à Madrid. Diego Games. Et, Et actuellement, avez... il, y a des, il y a des choses qui restent encore au musée de Tétois. Voilà. On a ramassé beaucoup de choses oui. de ses professeurs. Vous avez euh, récolté des signatures pour euh, avoir le, le plus de gens de votre côté, pour créer ce musée d'art moderne de, de Tétois. La, la première fois, c'était l'idée. C'est avec Bougide. Moi, j'ai appelé à, à Bougide, je lui ai dit, il faut écrire l'histoire de la peinture à Tétois. Alors, on a passé 15 jours, il n'a fait rien. Je lui ai dit, Bougide, tu as écrit ce message sur la peinture. Il dit, et, et pourquoi faire Pour créer un musée. Pour, pour créer, nous, on va créer un musée. Dites, oui, moi, et tu vas voir, on va créer un musée. Alors, après, il a écrit ce message, on est parti, je lui dit, Bouzid, tu as fait une grande chose d'écrire ce message sur la peinture, et maintenant, nous, nous sommes des peintres, simples peintres. Nous ne sommes pas une, une association reconnue par l'État. Mmh. Ah, nous, nous avons, nous avons euh, je lui dit, il faut aller voir. La Tétouane Asmir, c'est une association reconnue par l'État. À ce moment-là, nous avons fait une réunion avec eux, ils ont accepté nos idées et, nous, et, et sont, ils sont partis à la, à, la marche verte avec nous. On a fait une marche verte de 12 ans pour essayer d'arriver à convaincre le ministère de la Culture, à convaincre les... les L'Amala, le Baladia, ça veut dire qu'on a contacté tous les bureaux d'État pour, pour nous aider dans le, dans le secteur. Même on, on, était, on a fait contact avec euh, la Junta d'Andalousie. Et pourquoi ça a été aussi dur de, de les convaincre Pour nous aider parce qu'eux, ils sont, sont reconnus par l'État. Nous, ah. on est simple peintre. Alors quand on attaque des secteurs officiels, et peuvent nous aider pas. Pour, pour faire des réunions avec les... Parce que le, 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 le musée mis, le qu'on a fait, c'était une station de train abandonnée ouais. Ouais. et occupée par les gens. Les gens ils sont rentrés, ils ont pris ils ont, ils ont transformé cette ce station en habitant, ça veut dire des maisons. À l'origine de ce musée, il s'agissait aussi de, de redonner sa place à la peinture des peintres espagnols de l'époque, c'est ça qui. On a ramassé toute la peinture qui était dispersée à Tétois. Ouais. Parce que le BG, on n'a acheté rien. Simplement, on a trouvé beaucoup de tableaux dans des bureaux officiels. Parce que les Espagnols, quand il y avait des expositions, ils achetaient deux tableaux de chaque peintre. Toutes les expositions achetaient deux tableaux de chaque peintre espagnol il les placent dans les musées, dans, dans, dans les bureaux. Alors, moi, on a fait des tours avant de la création de musées, on a fait des tours dans les bureaux, on a découvert beaucoup de choses de Freixas, de Bertucci, de Diego Games, de, de Carlos Gallego. Et à ce moment-là, nous avons une idée des collections qui sont dispersées. Vous avez eu du mal à les récupérer? Ces, ces oui, C'était un, ouais. un peu difficile, parce qu'il y avait des délégations ou des, des, euh, qui n'ont pas voulu nous donner ces tableaux. Mais, mais il y avait une intervention du ministère de la Culture à ce moment-là pour les convaincre de donner ces tableaux. Ils ont été, parfois, ils ont été abîmés. Mm. Et c'est Bozid qui a pris en charge la restauration de tous les tableaux. Il a fait un travail très dur. Et aujourd'hui, quelle est votre implication dans la vie de ce musée? Bon, quand il y a quelque chose d'important, par exemple, ils vont intégrer d'autres peintures. Ça veut dire nous avons une réunion pour pouvoir voir la qualité de ces tableaux. Euh, vous oui. Ouais. Il y a bougé, il y Avant, il y avait Mekimara qui est mort, par Haroshi. Mais ça a été quoi les premières réactions auxquelles vous avez été confronté aux gens quand vous êtes rentré au Maroc et que vous êtes venu avec une autre proposition artistique les gens ne pas préparé par les, par, par les tableaux à l'époque. C'était difficile. Ouais. Mais c'était notre travail de convaincre les gens. Quand, quand on expose, il y a des gens qui viennent, et on est notre travail de lui expliquer, ça veut dire le tableau, de lui donner quelques, quelques, quelques idées. Et c'est notre travail, non simplement peindre, mais aussi faire le contact avec le public, ton public. Ouais. C'est nécessaire. Et la, y avait... la peinture sur le sebalet, c'est un travail récent, ouais. nouveau. Il n'a été... L'art a été fonctionnel sur l'architecture, sur les objets, sur la céramique, dans les pays islamiques, sur la céramique, sur les tapis, sur la broderie, mais un art comme ça, ça veut dire mobile, il n'a pas existé. Ça veut dire c'est après l'indépendance, on a essayé avec les peintres, faire des tableaux, faire de la sculpture, c'est quelque chose de très nouveau dans la société islamique. Ben merci mille fois, M. Bouchfaj. Ben C'était vraiment un plaisir et un honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Bon, et merci cet à vous échange aussi avec vous. pour que nous fassions le même travail. Vous et nous, nous faisons le même travail pour, le, pour, pour la société marocaine. Il faut, il faut toujours donner des idées. Vous et nous, nous sommes intégrés. Nous sommes tous, nous devons faire notre travail envers la société pour développer une société culturelle. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt dans un prochain épisode de paroles d'art sur le 360.ma